la femme, je vous reviens aujourd'hui avec une vidéo très simple. Je vous ai demandé si vous vouliez une vidéo qui va vous donner quelques petites astuces pour éviter de prendre des kilos ou de reprendre les kilos que vous avez perdus au courant de l'année pendant cette période festive. Alors c'est décembre 2017, je crois aujourd'hui on est le 22. On est le 22, c'est un vendredi, décembre 2017. Alors on a 2 semaines. Moi, généralement, je considère les congés de Noël comme les congés de 2 semaines. Donc, qui commencent, je crois, la plupart des écoles au Cameroun ont pris leurs vacances hier ou avant-hier, donc le 20, si je ne me trompe pas, si je m'abuse. Et la période des fêtes, comme on dit, c'est la période des fêtes. Et généralement, quand on dit fête, les gens pensent à tête en l'air. Quand on dit fête, les gens pensent au laisser-aller. Mais sachez que si en une semaine, vous pouvez prendre 5 kilos, il est possible que vous preniez 15 kilos en 2 semaines. Donc, le but n'est pas de jeter à l'eau tous les efforts qu'on a fait au courant de l'année, ou le but n'est pas d'exagérer la prise de kilos également. Le but n'est pas également de prendre beaucoup de kilos ou de même d'en prendre. L'idéal serait de ne pas en prendre du tout. Alors, aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques petites astuces. Alors, j'ai écrit ça là, parce qu'il faut écrire, sinon après j'oublie, après sinon je... Rumble. Il faudrait que je vous donne ça de manière précise et de manière concise. Alors, déjà, il faut savoir qu'il y a 3 types de personnes. Il y a les personnes qui vont en vacances, donc qui laissent chez eux, qui vont en vacances pendant cette période de fête. Et il y a les personnes, bien évidemment, quand vous allez en vacances, il faudrait bien qu'il y ait des gens qui vous reçoivent. Donc, il y a des gens qui reçoivent les vacanciers ou qui ont des événements préparés par eux, donc des mariages, des baptêmes, des cérémonies et tout, nanana. Et puis, il y a des personnes comme moi qui restent chez elles, qui ne vont nulle part, qui n'ont pas de personne à qui ils devraient rendre visite et tout machin. Donc, ça, c'est déjà 3 personnes différentes ou 3 scénarios différents. Donc, il faudrait déjà identifier où vous êtes. Est-ce que vous allez en vacances? Est-ce que vous recevez des vacanciers? Est-ce que vous restez chez vous? Moi, chez où je suis, je reste chez moi. Donc, dans tout, le mot d'ordre, c'est quoi? C'est le contrôle. Quand je dis contrôle, ça ne veut pas dire qu'il faut être contrôle freak. Ça ne veut pas dire qu'il faut être difficile sur soi-même. Ça ne veut pas dire qu'il faut se priver. Quand je dis contrôle, ça veut dire que être conscient de son environnement et être conscient de ce qu'on fait. Alors, quand je dis contrôle, c'est ce que je viens de vous expliquer. Ce que moi, j'aime bien dire, vous le savez déjà, c'est la planification. Donc, dans tout ce que vous faites, vous devez planifier. Si vous savez que vous allez en vacances et que vous allez assister à 2-3 mariages, bien évidemment, il faut planifier tout ça. Donc, pensez pas seulement à prévoir des vêtements, mais pensez à prévoir l'attitude que vous aurez devant certaines situations. Quand vous partez rendre visite à des tatas, mange, j'ai préparé ceci pour toi, mange. Apprenez à dire non. Mais ne dites pas le nom sauvage, parce que moi, mon nom est sauvage. Mais apprenez à dire non. Comment dire non? Avant de sortir de chez vous déjà, mangez quelque chose. Parce que si vous arrivez quelque part, vous avez le ventre vide, vous serez 1000 fois tenté de manger bien plus que ce que vous aurez mangé si vous aviez d'abord mangé. Parce que quand vous avez déjà mangé, vous arrivez, « Ah non, tata, je viens de manger. » Elle va comprendre que vous prenez une petite portion. Par contre, si vous n'avez pas mangé, vous arrivez, vous dites non, votre cœur va dire, « Ah non, mange la nourriture là. » Et d'ailleurs, si vous venez de l'étranger pour le Cameroun, en vacances, vous allez vous dire que je ne vois pas la nourriture tous les jours, donc je mange. Contrôle. Ce n'est pas la sauvagerie, parce que quand vous allez rentrer, la galère peut vous aider, pourra vous aider à perdre des kilos, mais ce n'est pas toujours garanti parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, pendant la galère ou pendant des moments de stress, prennent des kilos. Donc, il y a 2 différents types de stress, comme j'aime bien le dire à mes athlètes. Le stress qui fait grossir et le stress qui fait maigrir. Le stress qui fait maigrir n'est pas bien, le stress qui fait grossir n'est pas bien. Donc, le stress en domaine général n'est pas bien. Bon, maintenant, pour les personnes qui reçoivent des personnes chez elles, de manière générale, quand vous avez des événements, quand vous recevez des personnes, vous faites à manger, il y a toujours beaucoup, généralement pendant les périodes des fêtes, il y a toujours beaucoup à manger à la maison de toutes les façons. Dans les maisons, il y a des familles nombreuses, je veux dire, il y a beaucoup de personnes, il y a toujours à manger. Donc, au lieu de tourner à gauche, tourner à droite, vous piquez un morceau de plantain, tourner à gauche, tourner, prenez un morceau de poulet, tourner machin, prenez du temps pour vous asseoir et manger. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que ne pensez pas que quand vous avez pris un morceau de plantain, là, c'est 0 calories. Hein? Un morceau de plantain a des calories. Donc, imaginez si tout au long de la journée, vous piquez à gauche, vous piquez à droite, vous piquez à gauche, vous piquez à droite. Vous aurez mangé, vous aurez consommé des calories. Donc, et ne vous dites pas que comme je bouge, ça brûle. C'est pas ça, c'est pas ça, toujours comme ça. Vous pouvez faire du sport et toujours prendre du poids. Donc, faites très attention. Pour ceux qui reçoivent des vacanciers chez eux, prenez du temps pour vous asseoir
et manger. J'ai bien envie de dire de contrôler vos portions, mais je pense que quand, de manière très consciente, quand vous avez déjà développé des attitudes healthy, des attitudes saines, ça devrait être un réflexe. Maintenant, ce n'est pas un réflexe. Faites attention à ce que vous mettez dans vos plats et je vais vous le dire plus tard. Maintenant, pour les personnes qui sont comme moi, qui vont probablement rendre visite, mais qui n'ont pas d'événement majeur, moi, de manière générale, quand je vais chez les gens, je ne mange pas. Pas parce que je ne veux pas manger, mais parce qu'en partant de chez moi, j'ai fait ce que j'ai dit en premier, j'ai déjà mangé. Donc, pour les personnes qui vont rendre visite, pour ne pas faire les impolis et tout, et comme j'ai dit dans le premier point, mangez chez vous, mangez un petit quelque chose, comme ça, quand vous arrivez, vous n'avez pas une grande faim, comme ça, vous n'avez pas une grande place pour beaucoup de bouffe et tout. Maintenant, pour ce que vous devez mettre dans vos plats, je sais que c'est compliqué de manger d'une dolée sans miande. C'est compliqué de manger d'une dolée sans plantain. Ouais, non. C'est compliqué de manger du poulet sans plantain frit. Poulet frit, plantain frit. Ouais, ouais. Donc, ce que vous devez faire, c'est très simple. Contrôle, contrôle, contrôle. Tout ce que vous... Quand je dis contrôle, c'est déjà de ne pas être fou, en fait. Quand je dis contrôle, ça ne veut pas dire « Oh, je vais manger un plantain, je vais manger ceci, cela. » Vous vous frustrez pour rien. Vous vous frustrez pour rien. Ce que je vais vous dire de faire, c'est tout simplement contrôler vos portions. Si vous savez que vous avez 6 personnes à visiter, vous n'avez pas mangé dans les 6 endroits quand même. Donc, contrôlez vos portions, privilégiez les viandes, privilégiez le poisson. Même si c'est frit, privilégiez-les. C'est mieux que de manger un sac de riz, un sac de plantain. Il n'y a rien de mal dans tout cela, mais le tout, c'est les quantités. Donc, privilégiez les viandes, privilégiez les poissons. Maintenant, l'autre chose que je vais dire, c'est que j'ai envie de privilégier les légumes. Mais chez nous, les légumes, c'est le doulet, le folon, le machin et tout. Vous pouvez en manger, mais en petite quantité. Je pense qu'une cuillère, une cuillère et demie ne vous ferait pas de mal. Ne ferait pas de mal à qui que ce soit. Donc, pensez-y. Si vous voulez manger des miandes et tout, n'allez pas ramasser un paquet de miandes où vous asseyez. D'abord, les gens qui habitent déjà ces eaux-là, détachez pas les miandes. Parce que quand vous détachez les miandes, c'est facile à manger. Par contre, quand c'est pas détaché, c'est tellement compliqué à se dire, je vais détacher 10 miandes dans les buts, je vais tout manger. Moi, franchement, je n'ai pas le temps pour ça. Si c'est pas défait, je vais prendre un ou deux et puis basta. Et même si c'est défait, j'en prendrai un ou deux parce que c'est devenu un réflexe. Maintenant, comme je dis toujours, il faut planifier. N'oubliez pas de planifier tout ce que vous faites. Moi, je suis encore en vacances jusqu'à demain. Et vu que j'arrive, je rentre au Cameroun, samedi soir et puis lundi, c'est férié et tout. Donc, jusqu'à lundi, je suis pratiquement en vacances. Donc, je suis arrivée ici il y a à peu près 4 jours et dans ma tête, j'ai planifié mes séances d'entraînement. J'avais planifié 4 séances d'entraînement, mais j'en ai fait 5. Youhou! Donc, planifiez tout ce que vous faites, planifiez vos sorties. Planifier vos séances d'entraînement. Et j'ai envie de dire, comme j'ai dit, faut rester fit pendant les congés et pendant les vacances. Donc, bougez. Planifiez vos séances d'entraînement. Pendant ces 2 semaines, si vous faites 2 séances d'entraînement par semaine ou 2 à 3 séances d'entraînement d'une heure par semaine, c'est vous qui bénéficiez. Je n'ai pas envie de dire que quand vous bougez, vous brûlez. Parce que si vous mangez trop, il sera difficile pour vous de trop bouger pour brûler autant de calories. Mais si vous pouvez... planifier des séances de sport et tout faire pour les faire, et tout faire pour respecter ce rendez-vous-là, ça ne sera bénéfique que pour vous. Donc, planifiez 2 à 3 séances de HIIT training, pas mes 0 excuse challenge, pas une seule vidéo des 0 excuse challenge, je veux dire, mais 2 à 3 vidéos, comme ça, vous vous rassurez que vous avez bien brûlé les graisses, votre métabolisme continue de fonctionner, continue de brûler les graisses, même quand vous n'êtes pas en train de bouger. L'autre chose que je veux dire, c'est les taupes. Si vous êtes au Cameroun, les taupes, Biko, mettez les taupes de côté. Ça ne vous aide en rien. C'est des calories vides, ça ne vous donne pas d'énergie, c'est du sucre qui ne vous sert à rien. Les gens ont cette misconception qui pensent que c'est le gras qui fait grossir. Ce n'est pas le gras qui fait grossir, hein? C'est le sucre qui fait grossir. Donc, quand vous mangez et vous prenez encore une bouteille de taupe de 75 centilitres, et vous poussez ça. Vous poussez tout ce que vous allez manger avec ça. Vous ajoutez des calories sur des calories. Donc, si vous pouvez privilégier des boissons comme de l'eau, des trucs comme de l'eau citronnée, de l'eau avec un petit peu d'orange et tout machin, privilégiez-les. Vous pouvez également prendre des jus de fruits. Et c'est la mode en ce moment au Cameroun. Prenez des jus de fruits, pas en longueur de journée, parce que ça a aussi des calories.
Mais prenez quand même un jus de fruits pour vous rappeler ce goût sucré et tout ça, pour que vous ne tombiez pas dans cet effet où en fin de en soirée, vous avez l'impression que vous n'avez pas pris de sucre et vous voulez vous jeter sur tout ce qui bouge. Donc le mot d'ordre, c'est quoi? C'est le contrôle. Le mot d'ordre, c'est quoi? La discipline. Sans toutefois être frustré. Et ne faites pas l'erreur de vous dire que, bon, comme je sors le 25 pour aller à un mariage, je ne mangerai pas le 24. Parce que là, vous, c'est dans un dème profond. Vous allez tomber dans, comment vous appelez ça? Vous allez arriver le 25, vous allez tout ce que vous allez vouloir voir, moi je dis tout ce que les yeux voient, la bouche mange. Donc, quand vous arrivez encore devant un buffet, vous arrivez encore chez des gens et vous avez faim, et vous avez fait 24 heures sans manger, c'est que ça travaille en fait, ça joue contre vous. Donc, mangez tous les jours, mais contrôlez ce que vous mangez. Planifiez vos séances d'entraînement et planifiez également vos desserts. Je suis très contente de moi parce que depuis que je suis arrivée, moi j'ai l'habitude quand je suis en vacances, tous les jours, j'ai un dessert. Et quand j'ai dessert, c'est des gâteaux au chocolat, c'est de la glace, c'est des profiteroles, maman et tout, machin, machin, machin. Depuis que je suis arrivée, je n'ai pris qu'un seul dessert. Mon deuxième dessert, ce sera aujourd'hui. Donc, mot d'ordre, contrôle, mot d'ordre, on ne perd pas les efforts, on ne perd pas la sueur, on ne pleure pas les douleurs qu'on a vécues, qu'on a eues tout au long de l'année, tout au long de l'année. Absolument pas. Si en 5 jours, vous pouvez prendre 5 kilos, sachez que ça, c'est le danger. Et vous allez vous dire que la galère de janvier va vous aider. La galère de janvier ne va pas forcément vous aider. Donc, on fait un petit récapitulatif. Planifiez tout ce que vous faites. Planifiez vos sorties, planifiez vos mangers. Ne sortez jamais de la maison sans avoir mangé un truc. Quand vous arrivez dans un buffet et tout, privilégiez les viandes, poissons, légumes. Donc, légumes, salades aussi compris dans tout ça et tout. On va éviter les taupes. On va privilégier les jus de fruits ou les fruits en eux-mêmes. Et pour ceux qui reçoivent des gens chez eux, on va s'assurer à s'asseoir et manger. Les histoires de je suis trop occupée, assieds-toi, tu manges. Parce que quand il faudra perdre les kilos, là, oh, je suis aussi trop occupée. Donc, assieds-toi, tu manges. Et le reste, bouger. Planifier 2 à 3 séances d'1 heure ou de 30 minutes de HIIT training. Zero Excuse Challenge est là pour vous. Ou il y a d'autres vidéos sur YouTube que vous pouvez utiliser. Et buvez de l'eau. Donc, c'était ça pour mes astuces à moi. C'est ce que j'ai appliqué durant ces jours. Et je suis contente de moi. Planifiez vos desserts, n'oubliez pas. C'est la période de fête. On ne va pas se frustrer. On ne va pas être malheureux et triste. Mais il faut également être correct et penser à l'avenir. Perdre 1 kilo, là, ce n'est pas facile. Donc, imaginez s'il faut, il faut en perdre 15. Et imaginez quelqu'un qui a pris 15 kilos sur ces 2 dernières années, qui prend encore 5 kilos ce décembre. C'est pas du tout rigolo. Bon, maintenant, pour les gens qui sont à Douala ou qui viennent au Cameroun en vacances, il y a le Fitmas. Restez fit pendant les vacances. Restez fit à Noël. Fitmas, fit during Christmas. C'est du 26 décembre au 6 janvier. Pour 15 000 francs seulement, vous avez accès à tous les cours. Donc, vous n'avez aucune excuse pour dire que vous ne pouviez pas faire du sport et tout. C'est vrai que les cours sont en soirée, mais il y a un cours à 16h et un cours à 18h30. Rendez-vous sur mes pages Instagram et Facebook, Feature Web Ameldi. Et n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas de la partager. Il ne faut pas rester fit seulement. Il faut que quand on marche, on dise que les filles là sont prêtes. Il ne faut pas dire que la fille là dans le groupe. Il faut partager. Vous voyez là. Donc, je vais vous laisser. Je vous souhaite de passer une excellente fin d'année. Je souhaite que toute votre famille soit protégée. Je prie pour qu'il n'y ait aucun accident de votre côté. Je prie pour qu'il n'y ait aucune perte de vie humaine de votre côté. Je vous envoie plein de positive vibes for 2018. Allez, prenez soin de vous et je vous revois très bientôt sur mes pages. Bye!